Et voici un nouvel épisode des Feux de l'amour. Antonio, je t'aime. Je suis sincère. Ne souris pas. C'est la vérité. Tu me fais mal au cœur quand tu souris comme ça. Mon cœur brûle de passion pour toi, mais je peux pas. J'adore tes cheveux blonds. Ils illuminent au soleil. J'adore surtout tes petites chaussettes à pois rouge. Ne me laisse, t'enlève pas, reste avec moi. Mais Angela, tu sais, mes chaussettes, je dois les garder, c'est mes chaussettes. C'est celles que ma maman m'avait offertes quand j'avais 6 ans. Ma maman qui manque. Et faut que j'arrête là, je vais me mettre à pleurer sinon. Je sécherai tes larmes, je te le promets. Angela, un mouchoir suffira. Antonio, je t'en supplie, reste avec moi. Angela, malheureusement, c'est impossible. L'autre jour, je faisais les courses à ta place et j'ai rencontré quelqu'un. Et j'aime cette personne, c'est pour ça que je suis obligée de te dire adieu. Tu ne peux pas faire ça! C'est pas possible! Eh bien, pour tout te dire, si. D'ailleurs, elle est derrière le rhino numéro 2. Je vais la chercher pour te présenter. C'est pas possible! C'est pas possible! Il faut que je te dise, Angela. En fait, dur à dire, mais c'est quelqu'un que tu connais. Qui ça? C'est moi. Rebecca! Oui, c'est Rebecca. Je suis désolée. Je peux pas le supporter. Écoute, ma soeur, je compatis, mais je l'aimais tellement. J'ai craqué pour sa cravate avec les chameaux verts. Eh oui, c'est le sort du destin. Va-t-elle rester seule? Va-t-elle retourner avec Antonio? Vous le saurez au prochain épisode.